Salut tout le monde, c'est Darkbon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu de la semaine. Le jeu de la semaine s'appelle World of Goo. Donc sachez que pour les jeux de la semaine, ils vont apparaître tous les dimanches sur ma chaîne YouTube Darkbo, que vous pouvez être en train de visionner, et en même temps sur la chaîne de Future Imagility. Et sur la chaîne de Future Imagility, donc qui est le Discord e-sport que je crée avec un ami qui s'appelle Patouf, et qui nous permet en fait, qui nous fait réaliser ces jeux de la semaine, c'est principalement pour ça. Du coup, on les met sur les deux chaînes, sur la chaîne de Future Imagility et la mienne. Et puis en fait, à part ça, sur la chaîne de Future Imagility, vous aurez des gameplays sur les jeux de la semaine pendant la semaine après, voilà. Donc voilà, donc on va pouvoir démarrer sur le jeu World of Goo. Je crois que je vous l'ai pas... si, je vous l'ai déjà dit. Le jeu World of Goo, donc c'est un jeu type réflexion où en fait, on a... Donc en gros, on a des boules. Bon, vous allez voir en jeu parce que c'est un peu compliqué à expliquer. C'est des goo balls que ça s'appelle. Et les petites créatures que je vais vous montrer. Et du coup, on se retrouve directement en jeu pour vous montrer bah, le jeu en tant que tel, quoi. Allez, c'est parti! Donc voilà, on se retrouve sur le jeu après la petite intro, enfin assez longue quand même. Donc là, on a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, épilogue et World of Goo. Donc ça, c'est un truc où faut faire une pyramide à ce que j'ai compris. Et c'est tous les gobbles qu'on va collecter qui seront envoyés ici. Et si c'est marqué, si on joue avec eux fréquemment, quelque chose de bien va sans doute apparaître. Voilà. Donc là, on a profil. C'est pour le profil que vous voulez. Bon, ça, je l'avais créé, mais il était un peu trop long. Je vais le refaire du coup. Save. Voilà. Erase. Donc, ok. Ensuite, on a. Merde. Du coup, ouais. Voilà. Test. Enfin, ouais, je suis revenu sur le profil. Donc là, crédit. Voilà. Bon, pour les crédits, en fait. Tout simplement. Mais bon, on n'a pas besoin de regarder le prix. Les crédits parce que on n'a pas fini le jeu quoi. Ensuite voilà du coup profil new, on a bon on va l'appeler comme avant donc Goo World, enfin je crois que je l'avais pas appelé comme ça mais du coup Goo World. Et là chapitre 1, donc ça c'est le premier chapitre avec les premiers niveaux, donc je vais vous montrer quelques niveaux de base. Les niveaux d'après sont compliqués vraiment. Vraiment, au bout de, à partir de ici à peu près, ça devient compliqué. Alors, going up. Donc en gros, ça va vous montrer les bases pour les premiers niveaux. Donc là, le niveau avec la grenouille. Après, oui, je parle pour les niveaux futurs. Il est assez compliqué. Mais hop, normalement, je vous ai. Hop, peut-être que vous aurez en record. Oh, ils arrivent tous à monter. Merde, toi, ramène-toi. Peut-être que vous aurez en record une partie sur ce niveau là-bas. Parce que je crois que j'ai record ça tout à l'heure, mais je sais pas si ça s'est bien sauvegardé. Donc voilà, mais pour pas que ce soit trop long non plus en plus pour vous, pour le confort de visionnage, j'essaie de la faire plus courte la vidéo que j'avais tenté avant. Donc voilà. Small Divide, qui est le deuxième niveau. Donc là, il faut réveiller les goûts là-bas. Donc là, bon, c'est assez simple à y aller en fait. Je vais y aller rapidement, tac. Donc là, en gros, là, pour les lier tout simplement, vous avez, hop, un petit fil qui apparaît. Plus il est petit, plus vous êtes loin et plus vous pouvez quand même vous accrocher. En fait, vous pouvez quand même vous accrocher. Mais le but, c'est de le mettre le plus loin possible et que ça soit quand même accroché. Parce que là, bon, bah là, en fait, ça sera pas loin, quoi. Donc, c'est pas tellement intéressant. Là, bon, mon truc n'est vraiment pas très bien comme setup, mais j'ai quand même réussi. Là, on est quand même accroché en fait. Et voilà. Là, on est un peu plus solidement accroché. Donc là, il va se ramener, mais de toute façon, sinon je le déplace. Un petit truc à savoir. Voilà, vous pouvez les envoyer comme ça. Bon, attendez. Voilà, comme ça. C'est quand même hyper sensible. Merde, ils sont tombés dans le lac! Ah non, c'est bon. Ils sont tombés à gauche, ça va. Ramenez-vous. Et voilà, parfait. Allez-y, remontez là-haut. Voilà, tu remontes toi aussi. 14.
Donc là, on a le principe aussi des extra gooballs, qui est juste là, voilà, plus 6. Ce qu'on a collecté, donc ça s'appelle des gooballs, les créatures comme ça. 14 collectés, et il fallait en collecter 8. 10 mouvements, donc 10 structures qu'on a fait. Et temps 1 minute 5. Voilà, continue. Donc on va faire les autres niveaux, et sinon je ferai une ellipse jusqu'au niveau de fin, mais je pense que ça va pour le moment. Anglo, qui est un niveau où là il va falloir descendre tout en bas. Parce que là il faut en réveiller aussi, mais il y en a vraiment beaucoup à réveiller. Et là on en a 8 à collecter. Bon, imaginez bien qu'avec là on n'en a pas déjà à peine 8, je crois. Pour monter au tuyau là-haut, c'est un peu galère. Pour vous déplacer, vous avez juste d'ailleurs à déplacer la vision, vous déplacez votre souris. Vous voulez regarder en bas, vous déplacez la souris en bas, vous laissez en bas. À gauche, vous voulez déplacer à gauche, à droite, vous voulez déplacer à droite. Bon, là, il n'y a pas trop d'espace à gauche et à droite. Mais sinon, vous avez en haut, en bas. Ici, par exemple. Ok, alors là. Voilà, tac. Voilà, là, ils vont tous se réveiller. On va tous les monter là-haut. Comme ça, on va avoir un petit gain voilà, de temps, quoi. Merde, juste. Non, pas un gain. Hop, on va le mettre là, toi. Comme ça, voilà, ils vont plus facilement se réveiller. Et voilà, il réveille les autres, normalement. Normalement, il réveille les autres. Enfin, non, il les approche. Celui-là, il faut... Le dernier, là, il faut qu'il se réveille. Vas-y, ramène-toi, là, c'est bon. Putain, en vrai, je voulais faire une structure rapide, mais c'était trop long, celle-là. Hop, enfin, une structure simple. Avec le moins de gooballs possible. D'ailleurs, là, la longueur que ça vous affiche, 3,4 mètres, 2,3. Vous ne pouvez rien y changer si je me mets là. Bon, ça met rien déjà. Mais c'est censé, voilà, mettre 2,3 mètres par exemple. Plus vous montez en hauteur et plus cette longueur sera petite. Hop, voilà, on va accrocher comme ça. Et hop, voilà. C'est vraiment pour optimiser mon installation. C'est vraiment pour optimiser. C'est une toile d'araignée. C'est le bordel. Ils sont tous montés, voilà. Et hop, on est à 11 collectés ici. 11 collectés pour un niveau. Donc il fallait en collecter 8 plus 3. Avec temps 1 minute 43 et 17 mouvements. Ensuite, on a le niveau suivant. Avec une intro. Voilà. D'ailleurs, là, faut savoir, les persos, ils sont vraiment mal dessinés. C'est fait exprès, je crois. C'est obligé, ceux-là. Ah, ok, c'est le goût corp. Ah, ok, je vois. C'est le truc que j'ai pu tenter à la fin. Mais du coup, là, vu qu'on est dans une autre vidéo, je ne peux pas vous le montrer. Mais ouais, c'est juste un truc où il faut essayer de monter dans les airs, je crois. Je l'avais pas essayé parce que bah je sais pas trop le faire. Et j'ai pas trop compris non plus. Donc là, les barres, il faut les soulever. Parce que là, on a le petit écrou là et là on n'en a pas. Donc là, il faut essayer de les soulever pour ensuite arriver tout là-haut avec le tuyau. Bon alors là, de base, vous arrivez. Merde, qu'on peut pas déplacer ça. Bon, du coup, il faut juste se mettre les ballons. Hop, les ballons, là, vous les pouvez les lier juste aux petits coins là. Ou même, vous pouvez les lier de façon... Vous pouvez genre... Bon, là, on peut pas le déplacer vu qu'il y a la barre qui bloque. Mais là, hop, là, pour soulever, il en faut 3 juste. Vous en mettez 3, hop. Lui, vous pouvez le descendre. Lui, on va le ramener et le descendre. Et là, vous voyez qu'à n'importe quelle embouchure ici, on peut mettre les ballons. On peut le mettre en dessous, n'importe où. Ouais, on va juste éviter de le mettre en dessous. Tac, parce que là du coup c'est... Oh, ouais non, il va quand même monter là-haut. Je crois qu'il va quand même réussir à monter. Parce que du coup là le but c'est qu'il monte tout là-haut. Donc s'il va pas assez proche, il y a un petit souci. Voilà. Ça m'a l'air d'être un bon décalage. Voilà. On le décale correctement et puis là voilà, ça arrive. Et on les collecte tous. On est des génies aussi. Trop forts. Donc on les collecte tous. Et là, 4, il fallait en collecter. On en a eu 6.
plus 2 et 12 mouvements qu'on a fait. Donc ça c'est avec les ballons je pense. Et time 1 minute 23. Donc ils sont plutôt rapides les premiers, mais après, ne vous fiez pas à ça, ils seront plutôt lents. Donc on va passer par là. Celui-là est vraiment compliqué à faire déjà. Celui-là est compliqué. Donc là, si j'ai un gameplay en main pour le niveau que j'ai déjà fait, je vous le mettrai parce que j'avais fait un niveau réussi à la fin. Mais là, en gros, je vous explique avant. On a en fait cette rivière déjà. Hop, hop, voilà. On va mettre des gooballs qui descendent et qui arrivent jusque la rivière. Et qui en fait. Hop, voilà. Là, ça va. Ok, ils veulent pas tomber eux. Voilà. Voilà, comme vous avez pu le voir, ils sont tombés. En fait, bon, vous avez pas tellement pu le voir non plus. Là, on peut le regarder ici. Et on va en rajouter un autre. Et voilà, ils meurent en fait dès qu'ils vont là-dedans. Les ballons, si vous les lâchez, c'est pareil. Voilà, je lâche un ballon. Et si vous le lâchez là-haut, c'est pareil. Donc en fait, là, hop, on va faire retry, comme ça je vous montre le deuxième. Le deuxième aspect qu'il peut y avoir avec ces ballons, c'est que les pics, il y en a aussi là-haut. En fait, dans ce niveau-là, il y en a aussi là-haut et en bas. En soi, le liquide, je crois, il fait rien. Le liquide ne fait rien du tout, c'est les pics qui vont vous faire chier. Quoique, non, peut-être que le liquide, il fait quelque chose aussi, je crois. Ouais, il doit aussi faire quelque chose. Donc là, on va mettre un surplus de ballons, on en met un là. On va agrandir, comme ça, on va pouvoir aller plus haut en hauteur. Voilà, plus haut, et hop, et merde! Il a été dégonflé. Et merde, voilà, ils sont tous les trois dégonflés. Non, il faut se dépêcher pour essayer de sauver les ballons comme ça si vous en avez qui explosent en haut. Sinon, bah, ils vont mourir en bas en fait les gooballs. Et là, voilà, on peut agrandir et on va tous les faire mourir, sauf si on est vraiment plutôt fort. Plutôt... Merde, ramène tout. Putain, non, il est mort. Voilà. Et du coup, ils meurent tous en bas. Donc, si j'ai le niveau où j'ai fait en entier, je vous le passe. Sinon, bah, vous aurez la partie où j'essaye de le faire là. Mais je vais peut-être pas forcément réussir. Donc, on va tenter. Hop, voilà, c'est parti. Je vais essayer de faire jusqu'à ce que j'y arrive, en tout cas. Parce que sinon, ce sera pas drôle. Alors, hop. Hop. Merde. Hop, voilà. Là, voilà. Donc là, la technique secrète, c'est de mettre. Alors, vous en mettez un seul ballon sur un truc du haut, donc tout au bout. Vous le mettez tout au bout à chaque fois. Donc pour alterner, pour pas que ça foire, vous pouvez passer à quatre ballons comme je passe, et puis ensuite enlever un autre ballon derrière, par exemple. Et vous en avez deux, sinon, qui sont accrochés au-dessous, juste là, juste avant ou au milieu à peu près. Et qui sont accrochés au-dessous et ça fonctionne. Bon là, vu que c'est galère, il faut agir vraiment rapidement quand même. Je n'ai pas réussi tout à l'heure, mais bon, ça, on sait pas si on va réussir ou pas ici. Merde, 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 il est trop haut. Putain. Oh putain. Ok, on va le mettre là-dessous quand même. Voilà, parce que là, ah là, il nous faut ça. Tac, 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 tac. Oui, nickel. Il est pas trop. Donc vous pouvez essayer 4 aussi si vous voulez. Mais les mettez pas en haut, sinon ils vont exploser là-haut. C'est quasi obligé. Mec. Voilà. Je t'en dégonfle un. Oh! Oh putain. Ouf. Putain. On y est presque. Est-ce qu'on va y réussir? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ne pas. Paniquer. Faut essayer de pas paniquer. Putain! Non, ils vont trop bas. Moi, j'en mettrai un comme ça. Ensuite, je mettrai ça. Ensuite, j'enlèverai peut-être celui-là. Je le mettrai là. Putain! Et là, oh! OMG! J'ai réussi avec 4 ballons. Et là, du coup, on essaie de faire en sorte qu'ils viennent tous. Et yes! J'avais fait un record, non, j'ai fait 10 aussi, vu que je crois qu'il y en avait qui étaient morts en bas. Je suis pas sûr. Mais là, voilà, j'ai réussi, putain. 4 ballons, voilà. Mettez-les bien en bas si vous en mettez 4. Sinon,
C'est presque sûr que ça va monter tout là-haut. Sauf si vous les mettez tout au début, évidemment. Mais bon, je vois pas l'intérêt de les mettre tout au début, sachant qu'au début ça tient. Mais oh yes! Bon, là, les ballons ils peuvent pas aller là. Là, on va peut-être. Ouais, non, on s'en fout. On va pas exploser le reste, ça sert à rien. Et voilà, bon, c'est parfait en fait la structure que j'ai faite. Essayez de faire la même si vous y arrivez. Voilà, donc un ballon au premier, deuxième, troisième. Ensuite un autre au... Attendez. 1, 2, 3. Un autre au cinquième. Un autre au sixième et un autre au septième. Voilà. Sinon ça a du mal à tenir. Et parfait! Perfecto! Voilà, du coup, j'ai fini le niveau, je l'ai réussi. Par contre, je l'avais réussi juste dans le premier essai de record. Donc là, dans le deuxième essai qu'on va reprendre, eh ben, je l'ai pas réussi, donc ça sera pas débloqué. Mais du coup, on va continuer là-dessus, et puis on va continuer avec les autres niveaux. Donc voilà, donc c'est parti. Donc, quitte level. Et là, on a un autre niveau. Ouais, non, enfin, on a un autre niveau en bas, surtout. Où là... Ce niveau-là, voilà, un truc comme ça. Bon, il y a plein de niveaux en fait, de toutes sortes. Ceux-là, leur particularité, c'est qu'ils sont vivants. On peut les enlever des gooballs en fait, quand on veut les enlever, voilà, et puis les remettre. Enfin, pas en les lançant. Hein. D'ailleurs, c'est fou, ils rebondissent. Mais du coup, à peine vous les envoyez un tout petit peu, qu'ils vont hyper loin. Si vous voyez, là, je fais un tout petit coup. Et il s'envole vers l'infini et l'au-delà. Bon, bref. Là, on a le tuyau là-haut. Avec le terrain qui tourne, qui tourne. On a le cube qui tourne. Donc là, bon, on en a beaucoup. Il risque pas de mourir dans ce niveau-là. Et du coup, le but, c'est de monter tout là-haut. Tac, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il y en a quelques-uns qui sont aspirés. Il faut essayer de retenter à chaque fois. Donc là, on va peut-être détacher. On va te détacher, toi. Voilà. Et merde, on peut pas détacher l'autre. Enfin, on peut pas. Si, en vrai, on peut. Mais c'est juste que il est sur d'autres gooballs. Alors, voilà. On va essayer d'en monter quelques-uns quand même. Hop. Parfait. Allez, tu montes. Tu montes. Tu montes là-haut. Tu montes là-haut. Tu montes là-haut. Ah! On est à combien? 6 sur 8. Bientôt 8. En vrai, c'est mieux d'en mettre des extras en plus. Alors là, voilà. Du coup, on a une belle structure. Il faut faire gaffe à... Bon, ok, pas comme ça. Il fallait faire gaffe et essayer de la tenir pour pas que ça tombe du point de vue de l'autre côté. Enfin, du pied, quoi. Hop. Là, ça me va. Faut essayer de prendre ceux au repos, en fait. Voilà. La technique, la technique! Oh mon dieu, il y en a 12, 13! On va arrêter là, sinon ça va être trop long à en mettre d'autres en plus. Ça va être trop chiant après. Enfin, chiant. Non, ce niveau ça va. En vrai, ce niveau est plutôt cool. 5 en plus. 13 gooballs collectés. Et le but c'était 8. 47 moves. Et temps 1057. 1057. Donc là, vous risquez de faire beaucoup de moves. Parce que du coup, ça tourne à chaque fois, il faut être plutôt rapide pour les placer. Et voilà. Et puis là, le dernier niveau que je voulais vous montrer, où je galère dessus, il y a un autre niveau là-bas où j'ai quand même galéré, j'ai pas réussi. Enfin, si, j'ai réussi, pardon. Il y a le niveau là-haut, je l'ai réussi. Mais celui-là, j'ai pas réussi du tout. Je vais vous montrer pourquoi. Donc en gros, hop, voilà, là on a les mêmes qui peuvent s'enlever. Voilà, on en a quelques-uns en bas. Et là, on a le petit panneau qui va nous dire si un gooball tombe de 10 mètres dans une crevasse ou un truc du genre, 10 mètres de profondeur. Bon, en vrai, les premières phrases ne servent à rien sur le panneau. Voilà. Et monte 3 mètres chaque jour, mais descend de la nuit. Va-t-il toujours avoir l'air merveilleux le matin? Voilà. Peut-être. Voilà, là c'est utile par contre. Peut-être s'il était tellement accroché contre la paroi, donc c'est accroché je crois ou un truc du genre. Dans ce que j'ai pu comprendre, c'est
tellement bloqué contre la paroi, un truc du genre, contre le mur en fait, là, les murs, qu'il était tellement bloqué qu'en fait c'était compliqué de le faire descendre, quoi. Il pouvait pas descendre. Donc en gros, c'est comme ici, là, c'est tellement accroché que vous allez galérer à le faire descendre. Là, même, je peux même... Bon, là, ça va descendre par contre, mais si je... Hop! Ça descend un peu, mais là, vous gardez quand même un peu l'accroche. Si je mets... bon, là, du coup, il peut plus s'accrocher, ils sont un peu trop loin. Mais si je mets comme ça, il tient quand même, en fait. Il tient quand même. Et voilà. Hop! Voilà, parfait. Donc là, on va essayer de monter un petit peu le tuyau. J'ai jamais réussi à l'atteindre. En combien de temps déjà d'essai? Je crois que j'ai testé peut-être une trentaine de minutes ou une quarantaine. On va arriver là-haut. Hop, mais on va échouer. Hop, voilà, on... Oh, nickel. On est... Ouais, bon, on se dit qu'on est proche du tuyau. On se dit qu'on va réussir. Mais en fait... Oh putain! J'ai rien dit. Attendez, j'ai peut-être rien dit. What? Attendez! Je crois que j'ai trouvé la technique. Aïe! Aïe! Aïe aïe aïe! Alors... Non! Ok! Ok, il n'y avait pas... Putain, c'est galère, j'en ai mis un! J'en ai mis un quand même. J'en ai mis un, faut retenir ça. Et partir sur des bonnes bases maintenant. Hop. On remonte là-haut, toi. Voilà. À part ça, hop. Voilà, bon là, ils sont vraiment très mal accrochés. Et d'ailleurs, peut-être que je vais couper là, parce que du coup, putain, j'étais en train de réussir, mais... Ah bah voilà, là, ils sont bloqués. Donc en gros, il faut essayer de les bloquer contre les parois. Pour les faire monter plutôt haut. T'en as pas besoin de lui. Eh oh putain, il y en avait deux. Il y en avait deux. Et lui, il en avait pas besoin. Donc toi non plus, t'en avais pas besoin. Putain, il en avait pas besoin de lui. Hop, ça monte. Alors là, lequel il y a pas besoin? Aucun, vraiment. Là, j'en ai aucun. Si, celui-là. Celui-là, ça peut tenir. Non! Oh, si! Oui! Oh putain, oui! J'ai réussi. Attendez, est-ce qu'on peut en mettre un autre? Ouais! C'est abusé! On va en mettre... Ah! Non, on a plus réussi. Ok, ça voulait plus tenir. Putain, j'ai réussi, c'est abusé. J'avais pas réussi la dernière fois. Bon, en tout cas, vu que la vidéo va être beaucoup trop longue après en plus, et que c'est pas le but. Bah voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Surtout que en plus, j'ai vraiment pas réussi les niveaux d'après. Il y a juste la frog, mais du coup je vous ai déjà montré. Ce niveau j'ai jamais fait. Avec cette sauvegarde, je vais pouvoir me débloquer et aller plus loin, putain. Heureusement que je l'ai fait en vidéo, comme ça en plus j'ai pu m'entraîner bien. Et putain, ouais, je vais pouvoir réussir à aller à l'autre niveau après. Bon bah en tout cas c'est plutôt cool ça, ce que j'ai pu faire. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis, donc vous abonner à la chaîne de Future Imaginity et Darkbo si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo pour la chaîne de Darkbo et à la semaine prochaine pour un nouveau jeu de la semaine sur ma chaîne et la chaîne de Future Imaginity. Sur ce, c'était Darkbo, et j'espère que vous avez aimé le jeu en tout cas. Moi en tout cas, il est plutôt cool en vrai. Tchuss! Et il est gratuit d'ailleurs en fait. Donc ouais, juste avant, je mets le lien en description, mais il est gratuit. C'est sur le shop de Epic Games, il est gratuit en ce moment. Je sais plus jusqu'à quand, je crois qu'il est gratuit jusqu'au 25, un truc du genre. Donc dans pas trop longtemps non plus, moins d'une semaine il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'acheter. Quoique en fait non, le 25 c'est pas moins d'une semaine. Non, il doit être dispo jusqu'au 15. Voilà. Moins d'une semaine il me semble, un truc du genre. Une semaine, 10 jours, un truc du genre. Encore. Du coup, vous pouvez aller le prendre gratuitement là-bas. Après par contre, il sera payant. Donc voilà, c'est leur jeu gratuit à Epic Games de la période là pour le moment. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like.
Et moi, je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!